avant. L'une des mains est étirée vers l'avant, l'autre peut aller sous l'oreiller ou sur les matelas. Cette position ressemble un peu à une sorte de câlin couché. L'étude affirme que 13% de la population préfère cette position pour dormir. Il s'agit d'individus caractérisés par une personnalité plus complexe, qui ont cependant besoin d'affection. Bien que ces personnes se montrent généralement amicales et ouvertes, ils ont également un côté cynique qui les pousse à douter des autres et à ne pas accorder facilement leur confiance. Ils réfléchissent énormément aux conséquences de leurs actes, mais lorsqu'ils prennent une décision, il est presque impossible de les faire changer d'avis. Ils peuvent être le meilleur ami du monde et récompensent avec une infinie tendresse ce qui les mérite vraiment. Position du soldat. Une personne qui dort dans cette position est allongée sur le dos, avec les jambes et les bras étirés, en principe le long du corps. Cette position n'est pas commune, c'est seulement 8% de la population dort ainsi sur le dos. Ces personnes sont caractérisées par un comportement plutôt réservé. Ce sont des taiseux qui ne parlent pas.